Hey, salut, c'est Mister Wu. Donc, pourquoi on se retrouve ici? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, on va voir de quoi ça parle. Et sincèrement, ce que j'ai vu me donne pas du tout, mais absolument pas du tout envie d'avoir le jeu. Je sais pas, là, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le moteur de Zelda, Breath of the Wild, pour faire ce jeu, et je sais pas, ça donne un rendu un peu trop lumineux, un peu trop, comment dire, une exposition trop forte. On a l'impression que l'image est cramée, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Les blancs sont trop blancs, il y a trop des. En fait, il manque de la colométrie, je sais pas, un peu plus de grisé, certains endroits, enfin, je sais pas, c'est pas assez colorié. Enfin, je sais pas comment. Disons que les ombres portées, les shaders, la shaderification, donc l'effet de shaders, donc ce qui fait que les personnages ont des ombres et tout sur eux, je les trouve un peu simplistes ou dégueulasses, je sais pas. Par exemple, les autres jeux étaient mieux faits, Zelda était mieux que ça. Donc je trouve ça un peu bizarre. Donc ce qu'on va regarder ici, c'est voir le trailer. Je vais pas vous mentir, je l'ai déjà vu, mais c'est pour que vous donner et vous expliquer après pourquoi, ou de stopper en plein le trailer pour vous expliquer ce qui ne va pas. Donc on va le lancer, on va pas traîner. Je me gourbe le bouton parce que en même temps j'utilise une Xbox 360, donc par finir je me gourre parce que c'est l'inverse des boutons. Ah oui, merde. J'ai diminué le son de ma TV. Après, c'est peut-être éventuellement ma TV, mais je ne crois pas. Vous ne trouvez pas que les couleurs sont pas ouf? C'est assez fade. Je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis. Ça m'intéresse énormément. Et les montagnes, bordel, les arbres placés, ça fait pas du tout naturel. Ça, par contre, on découvre un nouveau Kalinos, une nouvelle transformation comme celui de Fenar et tout ça. Par contre, l'eau, ça... ouais, c'est comme d'habitude en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le même moteur que Zelda ou celui d'un autre Pokémon? En tout cas, je sais pas. Et les arbres, comment ils sont mis? Je sais pas trop. Ça fait, j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à imaginer ça en mode naturel en fait. Je ne sais pas trop. Après, c'est vrai que il y a un truc qui peut donner envie éventuellement, c'est si les Pokémon vous suivent à côté de vous. Là, ouais, peut-être que ça peut donner éventuellement envie, mais sinon, non. Donc, c'est à voir. Après, le jeu m'intéresse quand même, mais enfin, je sais pas. En fait, c'est. En fait, selon ce qu'on vous dit, ça m'intéresse.
Mais sinon, je sais pas, les couleurs sont un peu bizarres. Je comprends pas pourquoi, mais il y a un souci au niveau des couleurs. C'est pas si ouf que ça, quoi. Et parce que j'aime bien, je lui dis d'abord que le jeu m'intéresse pas, après je lui dis que le jeu m'intéresse. Enfin, je sais pas, il m'intéresse, mais il m'intéresse pas, je suis mitigé en fait, c'est ça plutôt le nom à ce moment-là, on dit ça. Je suis mitigé, je sais pas trop, et si ce serait comme ça, là, je prendrais mieux. Enfin, de toute façon, c'est pas pour tout de suite, ça c'est sûr. On a encore le temps. Peut-être qu'il doit être peaufiné, mais pourquoi montrer un jeu qui n'est pas terminé en fait? C'est ça que j'essaie de comprendre aussi. Si ton jeu n'est pas terminé. Merde, je voulais laisser sur ça. Bon, si... Ah oui, mais c'est moi qui me suis encore bourré. Si ton jeu n'est pas terminé, tu ne partages pas, point barre. Enfin, je sais pas. Voilà. On va se terminer sur, on va se quitter sur ça. Donc je vais donner mon avis. Donc mon avis c'est que le jeu pour le moment comme il y a encore une année éventuellement il n'est peut-être pas encore tout à fait fini mais en tout cas ça m'intrigue quand même. Le jeu que les jeux que j'attends surtout c'est Diamant Scintillant ou Étincelant. Diamant Étincelant. Il me semble que c'est ça. Parce que Perle c'est scintillant normalement. Enfin soit vous avez compris c'est le diamant quoi, c'est la version diamant qui est remakée. Là en effet je suis hype pour celle-ci. Mais par contre pour le Arceus, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, c'est un peu mitigé. Après je dis j'ai envie de l'avoir, en fin de compte j'hésite. Ben, c'est justement parce que je sais pas trop, il y a des choses qui me plaisent, des choses qui me plaisent pas en fait, et du coup j'ai des blocs, j'ai des... Oh, ah non. Oh, ah non. Vous voyez un peu tout. Ça s'appelle être mitigé, être entre deux. Donc ça veut dire que vous êtes entre vouloir l'avoir et vouloir ne pas l'avoir, n'avoir rien à foutre que tout simplement, et dire je vais garder mon argent pour autre chose. Et du coup, il y a une hésitation comme ça. Donc en tout cas, le jeu, il me fait pas non plus sauter au plafond. C'est ça que je veux dire en fait, en bref. C'est pas un jeu qui me fait sauter au plafond. Par rapport à Pokémon les autres les remakes de Pokémon de Platine et Diamant et Perle. Ben, enfin Diamant et Perle et Platine pour être plus précis dans l'ordre correct. Ben ça me fait un peu plus. Enfin pas sautiller non plus, mais je suis beaucoup plus hype et content parce que c'est un jeu qui a bercé mon enfance, du coup Sinnoh me tient énormément à cœur. Mais pour ce jeu-là, j'ai des doutes. Je ne suis pas sûr. J'ai vraiment des doutes. D'ailleurs, en y pensant... Ah, chiette. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas grave. J'ai un... Entre guillemets, vu le temps que ça reste là, le screenshot doit y être. Je sais récupérer autrement. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, voilà. C'était mon avis sur ce jeu. Je sais pas ce que vous en pensez, ça m'intéresse aussi. Je vous dis à bientôt, c'était Mister Wu. Portez-vous bien, bande de petites toutous. N'hésitez pas, sincèrement, je suis sérieux, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis. Je suis pas en train de défoncer le jeu, bien au contraire, je sais pas en fait. Je suis mitisé, ça m'intéresse qu'on puisse parler entre nous et savoir ce qui est intéressant, ce que j'aimerais bien savoir de votre côté, si le jeu vous intéresse. Ou est-ce que vous en avez rien à cirer du jeu? Est-ce que s'il vous intéresse, mais vous êtes mitigé comme moi, mais vous ne savez pas trop quoi, ou vous savez quoi, ben que vous détaillez dans la description, dans les commentaires, pourquoi vous avez des doutes, que vous n'osez pas. Allez-y seulement, allez-y, débattez, quoi. Les commentaires sont là pour ça, en toute politesse et tout ça. Ça m'intéresse, votre avis. Donc je vous dis à bientôt, bande de petites truffes, et j'espère que vous jouerez le jeu. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!